Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Life is Strange. Je suis ravi de vous retrouver et aujourd'hui nous allons rentrer dans la cabane au fond du jardin. La cabane de Prescott, enfin la cachette secrète, hein, la cachette secrète. Et qu'est-ce que tu fais? T'es sérieuse là? T'essayes d'ouvrir une porte blindée où il y a un digicode Ouais, vas-y, tire, tu vas y arriver. N'importe quoi. Par contre, un code, très bien. Je connais pas de code, moi. Là, il y a des numéros. C'est pas ça? Ah, ceux-là, ils ont l'air vachement aplatis, tiens. On va essayer. On va essayer 2, 4 et 5. Oh, non. C'est pas ça. It didn't work. On va essayer 4, 2 et 5. Oops. C'est pas ça. On va essayer 2, 5 et 4. C'est pas ça. Ah, c'est bloqué, comme un téléphone. Ok, la porte blindée qui se bloque au bout de 3 erreurs. Ça fait pas une alarme, ça appelle pas les flics. Non, ça se bloque. Bon, on va remonter ça, c'est relativement rapide. Hop, 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 voilà. Je peux pas remonter? Non. Ok, alors, voyons voir. On a essayé ça. On va faire 4, 2, 5, je sais plus si j'ai essayé. Je crois que j'ai essayé celui-là. J'avais essayé. 5 et 2. Et c'est pas ça. Bon, on va essayer 5, 2 et 4. Et c'est pas ça non plus. Évidemment, c'est encore bloqué. Bah, à part ça, je vois pas ce que ça peut être. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Donc on a dit 5, 4 et 2. C'est ça ! Ça a marché ! Meilleur des hackers. Allez, ouvre le hublot. Waouh, c'est une salle de bain en fait. N'importe quoi. Oh, ah oui, quand même. C'est quoi ça? C'est tous des médicaments? Non, quand même pas. Nourriture. Ah non, c'est de la bouffe, c'est bon, on s'en fout. Ah, une feuille. Il y a une feuille qui est tombée, on sait pas d'où. Qu'est-ce que c'est que ça? Cher monsieur Prescott, après plus de 5 ans de suivi psychiatrique, évidemment qu'il est suivi psychiatriquement, c'est un grand malade, du ruban adhésif, tiens. Je vois pas le problème. C'est pas comme s'il allait boucher les trous avec du ruban adhésif, hein. Il en fait ce qu'il veut. Ah ouais, c'est un peu plus classe que là. Ici, c'est l'entrée du pauvre, le salon du riche. L'entrée du pauvre, le salon du riche. Ok, bon bah... Ah ouais, pas mal quand même. J'aimerais bien habiter là. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour m'appeler, tiens-toi aux appareils jetables que je... Ouh là là, des appareils jetables, ça c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'il faut pas que les flics entendent leur conversation et c'est pas bon. Hein. Ouais, après... Après, quand Nathan dit au téléphone qu'il a besoin d'herbe et tout ça, bon, voilà. Ah ouais, mais c'est... Moi, je trouve plutôt pas mal ces photos. Il a un vrai talent pour la photographie. Bon, c'est un peu glauque, mais... Placard, qu'est-ce qu'il y a dans le placard? Cherchons. Oula! Des dossiers sur tout le monde? C'est moi ou... Kate, Rachel, Kelly... What the fuck? Come on. Let's see what this shit is all about. We are. Victoria, pourquoi t'as pris Victoria? On s'en fout de Victoria. Okay. A binder marked Victoria, but it's empty. Look, the next one says Kate. Alors sur no, Kate, qu'est-ce qu'il a? No. Oula. T'es sérieux? Il a pris des. Waouh! Il a pris des photos de quand elle est morte. All those binders are filled with other victims. Ah non, c'est pas quand elle était morte, c'est quand tu l'as violée. Ah, mais voilà.
Nathan must be planning to dose her tonight. D'accord, ok, je comprends. Ah, il y a Rachel aussi. These are all post shots, right? Oh là là, il a violé right. Rachel aussi. Chloe, look at her face. She's out of it. Maybe Nathan paid her a shitload of cash to do this. She probably would have. I don't think so. Why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Attends, t'es sérieux? Il l'a enterré? Donc il l'a tué? There's no way she's dead. No way. She posed for those pictures, Max. I know it. Please, let's go. Non, elle a été juste droguée. Il l'a pas tué quand même. Arrête. Oh merde. J'espérais être ami avec Rachel, moi. Rachel. Kate. Je peux pas les voir? Picture is framed different. Rachel is awake and fucking furious. Ah ouais, mais elle est attachée et tout ça. Rachel is passed out and she has something in her mouth. Il fait de belles photos, hein, quand même, mais. Là, il y a Rachel et c'est qui? C'est Nathan derrière? Et je peux pas regarder celle de Kate? Moi, je veux voir celle de Kate. Ah oui, elle est complètement droguée, effectivement. D'accord, et donc la prochaine cible, c'est Victoria. Qu'est-ce qu'il y a? On fait le tour, hein, vite fait. Pourquoi pas? Ouais, très bien. Je peux pas lui prendre... Mais prends-lui, putain! N'aie aucun scrupule! T'as toujours rêvé d'avoir un appareil photo comme ça! Oh, mon dieu. Bon, allons-nous-en. Tiens, bois un coup. Oui, bah bois un coup. Ah, il a un téléphone ici aussi. Il est vraiment glauque, ce mec. Et là, il y a encore une feuille qui tombe. Il doit y avoir un arbre derrière. Regardez. What? Qu'est-ce qu'elle fout, la feuille? Ça n'a aucun sens. Allez, à la décharge. Voilà. Allons vite à la décharge. Elle part pas sans moi, s'il te plaît. Oh, la furie! Non, mais si elle est morte, elle va pas s'envoler, hein. Chloe, slow down. Bon, c'est dégueulasse de dire ça, mais... I know exactly where I'm going. Ouais, tu sais exactement, mais moi, je sais pas où tu vas. Alors, si tu m'attends pas, je vais jamais te retrouver. La décharge, c'est chiant, en plus. La dernière fois qu'on y allait, je me suis planté de partout, là. Look, this is it. This is it. Ah, mais il a carrément pris des photos de quand il a enterré. Ouais, mais c'est bon, je vais t'aider, ça va. Chloe, stop. Look. Qu'est-ce que c'est? Please, no. Oh. Oh. That smell. Rachel. Oh merde. No, Rachel, no, no, please not her. Oh merde. Du coup, Kate, elle est morte. Rachel, elle est morte. Plus rien à faire. Frank, il est mort aussi. Ah ben là, Chloé, elle a... I'm so sorry. I loved her so much. How can she be dead? What kind of world does this? Who does this? Oh putain de merde. Oula, la musique. Nous sommes à une soirée, du coup, hein, à Zazu. Eh, Zazu. Nous sommes à une soirée. La soirée du Vortex Club. Et évidemment, il fout le bordel de partout. Hein. Ah, mais ça se situe à Blackwell. D'accord, je pensais pas. Je pensais pas qu'il ferait la soirée à Blackwell. Chloe, we can go right to the cops. We have proof. Fuck the police. Rachel wanted us to find her. So we could get real justice. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas défoncer Nathan? Tu vas lui faire quoi? Faut qu'on le prenne en photo. Ouais, à la limite. Ouais, allez. Après, ça ferait pas de mal à Victoria. Enfin, je dis ça, je dis rien.
Ah non, mais non, prends pas l'arme, s'il te plaît, non. Commence pas tes conneries. En plus, on met pas le doigt sur la gâchette sans avoir l'intention de tirer. I can't tell if they're different. What is that? It can't be two moons. Jesus, Chloe, look up at the sky. What? Beautiful. I don't give a shit. The world is ending. Cool. Ah oui, d'accord. Elle n'a vraiment plus rien à foutre. That's right. Nathan Prescott is going down. C'est vrai qu'on est fixé sur Nathan Prescott, sur Rachel et sur l'enquête pour Kate. Et on oublie carrément que c'est bientôt la fin du monde. Hein. Qu'est-ce qu'il faut au Vortex Club, lui? Max, he's dangerous. Where is he? I didn't see him at the dorm again. I was held up in my room. Dude, have you been drinking? Non, il a pas bu, il est normal. Let's go, Max. Hey. I know this is a bad time, but can I get one picture? I've been feeling like this might be actually the end of the world, so I want to have something for prosperity. Well, I don't blame you, Warren. I know. I'm a pain in the booty. Just one picture. Oui, bon, bah, dépêche-toi. Moi, j'attends depuis tout à l'heure, là, je suis en train d'attendre. Come on, Max. Sorry. I just wanted to feel like a normal student after this week's ultra-violence. I never hit anybody like that before. Warren, il part complètement en couille. Il a tapé quelqu'un, il va au Vortex Club, ça y est. And do not let him see you. He won't. I know how to be invisible here. Ouais. To me, Warren. Text soon. Si, pour moi aussi. Commence pas à dire des conneries, après il va t'apprécier. Enfin, il va... merde. Oui. Where the hell are you? Chloé, ah ouais, elle s'est barrée carrément. Comment elle est rentrée? T'as une sale tête, toi. Faut faire la queue, sérieux? Je suis une VIP, moi. Je suis une VIP, pas vrai? Hey Max, welcome to the end of the world. Do you want me to check anything in? No thanks, Stella. Have you seen Nathan yet? Par contre, t'aurais pu me trouver des vêtements. Hein. That boy creeps me out. Wait, some girl just asked about Nathan before you came in. Ah, c'est Chloé. What? Bah, Chloé. She had blue hair. Oui, cheveux bleus, stylé comme une punk, c'est Chloé, on sait, on a compris. I'm stuck here, so I'm sorry I can't help you. C'est pas grave, y a pas de souci. Why are you working at a Vortex Club party? I didn't think you wanted to be a member. Screw that. I'm here for the job. C'est qui t'a embauché? C'est peut-être Nathan. Ah, Jefferson. C'est Jefferson qui gère le Vortex Club? Je comprends plus rien, moi. Ouais, il faut que je cherche Nathan. Allez. I just need to find Nathan. And don't get too close if you see him. Hell no. This is homework, not a party. I'll text you if I spy him. Ok, merci, ça c'est cool. Donc on a deux informateurs. Je sais pas si eux ils veulent pas m'aider. Non, eux ils veulent pas. Stella, c'est bon. Toi tu veux pas m'aider? Bon, allez, on va rentrer. À la soirée. Ah oui, il y a une piscine et tout, carrément. Ah bah oui, c'est dans... Suis-je bête? C'est justement au niveau de la piscine, donc forcément qu'il y a la piscine. Oh, les tags! Oh, dégueulasse! Ah.
Il y a sur l'estrade, il y a les gens qui dansent tout seuls, qui savent pas quoi faire. Et les gens de début de soirée qui veulent lancer le truc, mais qui qui paraissent tellement cons parce qu'ils sont tout seuls. Du coup, il faut qu'on trouve Nathan, mais pour trouver Nathan ici, on va aller directement... Ah non, c'est pas par là que je voulais aller, c'est de l'autre côté en fait. On va aller directement dans les vestiaires, il doit être caché quelque part dans les vestiaires à mon avis. Hop, on passe sous l'échelle, 7 ans, enfin je sais pas combien de malheur. Je suis pas au point à ces niveaux là. Salut, tu veux pas m'aider? Non? Personne qui... Ah toi! T'as vu Nathan, je le sais. Enfin, tu m'aimes pas trop, mais... Est-ce que tu l'as vu? Oh, et merde. Après, si on trouve Victoria, ça marcherait aussi. Hein. Ok. Pourquoi t'es venu, alors? Ouais, mais de là à détester un truc, enfin, je sais pas. Moi, quand je m'ennuie, je fais pas un truc que je déteste. Ah, tu veux à Warren, hein? Je t'arrangerais bien un coup avec Warren, hein, mais bon. Tu parles pas si bien dur. I don't think having superpowers would make my life easier. With great power comes de grosses emmerdes, ouais, pas de grandes responsabilités. Et c'est ce que j'essaye de faire maintenant. Si tu vois Nathan, dis-le moi s'il te plaît. C'est lui le méchant. Ah, ça y est, je deviens pote avec Brooke, c'est cool. Des boissons, Courtney, vas-y, ça m'a gavé, je vais pas parler à tout le monde non plus. Luke, on s'en fout. Ah, Alyssa. Ah! Ah bah allez, on va la sauver parce que c'est une habitude, hein, ici, hop. Non mais du coup je veux pas... Ah bah j'ai un peu trop remonté le temps. Allez, on va l'avertir. Décale-toi un petit peu. Je t'ai sauvé la vie encore? Mais y a pas de soucis, je suis juste vigilante. Hein? C'est juste ça. Donc ça, ok, ça on s'en fout, les vestiaires. Moi c'est dans les vestiaires. Ah, VIP only. Excuse me, but I'm going in. Sorry, but this is the VIP section. Members only. Okay? Je suis VIP. Sorry, but I'm on the list, okay? I know that Max Caulfield is not on any list for the Vortex Club. Eh ben regarde, Lee. Listen. Lee? No, you listen. Courtney is supposed to be the VIP gatekeeper, not me. So please go. Mais lis la liste, je suis dessus. Oh, relou. Salut, t'es mon pote, non? Bah, on va rentrer par là. Hein. On va faire le tour. Il doit y avoir un petit passage. Salut. Qu'est-ce qu'il fout, Justin? T'es dans le vestiaire des filles, ici, là. Bon. Ah non, d'accord. Salut, les mecs. Ouais, d'accord. Les mecs et les filles, ils pissent au même endroit, ils s'en battent les couilles. Somebody's either having sex or throwing up. Or both. Ugh, Max. Bon, très bien. Il n'y a rien ici, apparemment. Les toilettes, c'est pour les... Ouais, je vais sauver cette fête moisie, mais t'es un peu lent, mec. Ouais, je crois aussi, hein. Tu devrais même un peu accélérer le pas. Bon, allez, bouge ton cul. Finis de parler. Oh, t'as pas vu Nathan? Speaking of, have you seen Nathan?
Oh, he should be freaking out in the VIP lounge with that. Ouais, il est bien au carré VIP, mais je peux pas rentrer. I fucking hate those snobby douchebags. Especially Nathan. That dude is gonna go on a rampage soon. D'ailleurs, j'ai pas vu Chloé. Si elle a peut-être déjà réussi à rentrer. Spread the word. Max, I know I'm twisted, but your face looks so fucking intense. Wouah, calme-toi. And your voice sounds different. You okay? Non, mais calme-toi. Laisse-moi tranquille. Lâche-moi. Au secours, j'ai peur. I'm cool, Justin. Ouais, je vais y aller. Maybe you should go chill somewhere else. Fucking A, Maximus. You're right. I'm only torturing myself here. Plus, tu te tortures l'esprit dans les toilettes. Mais t'es grave bizarre, même déchiré. Enfin bref. Allez, lâche-moi. Hop. Sortons et on va essayer de rentrer. Je sais pas comment on va rentrer. Hein, mais... Est-ce qu'on peut faire le tour? Je ne crois pas. Hein. La banderole. Yes, you do so. Je peux pas rentrer, sérieux? Il me semblait que je pouvais, hein. Allez! Laisse-moi rentrer, s'il te plaît. What would a shitty party be without glow sticks? Bah, maison autour du poney, s'il te plaît. Non! Bah, je vois pas du tout comment rentrer. Ah, Courtney, c'est pas elle qui nous a aidé à... Enfin, qui disait... Ah oui, voilà, notre invitée spéciale. C'est elle qui voulait nous habiller, je m'en rappelle. Ah, j'ai le droit au pass, youhou! Oh, that little asshole just made her last mistake. She thinks she's Victoria. Ah, merci, elle va me défendre. Now, let's go make an official VIP entrance, Max Factor. Oh là là, on va tout faire entrer. Allez, nickel. Let's go. Hey Sarah, do you know that I've personally put Max's name on the list? So you like decide to block her from coming in while I'm taking a break? Alors, tu fais moi ta belle là. Wait, I just oh my god, you're done and you're off the list permanently. Allez, ciao! Bon, du coup, je suis un peu déçu de lui avoir fait ça, mais... au moins, je peux rentrer dans le carré VIP. Mais bon, elle m'a mal parlé aussi. Hein. Allez, laisse-moi rentrer. Et Chloé, est-ce qu'elle est déjà dedans ou pas? Donc là, il y a Taylor... Victoria, elle est là, donc Victoria, il va falloir la sauver. Justin, Zachary, Juliette. Ok, la chaise, elle est là aussi. Elle ne manque pas à l'appel. Là, on peut sortir. Non, il n'y a rien. Ah si, ils font l'amour. Eh, regardez. Salut. On vous voit. Bon. Eh ben c'est sur ça qu'on se laisse, hein. Nathan on le trouvera la prochaine fois, vous inquiétez pas. Donc dernier épisode, on s'est arrêté devant la lumière. Aujourd'hui on s'arrête dans l'obscurité. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, n'hésitez pas à partager et à aimer. Bisous à tous, bye bye.